Et bonjour les amis de Fred Amazer, bienvenue pour ce nouveau live. Oh, il va être court comme d'habitude, vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre la tête longtemps avec du blabla. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques nouveautés, quelques nouvelles. Tout d'abord, il faut savoir que durant une semaine, là, j'ai été malade puisque j'ai contracté le Covid. Ça devait arriver un jour, c'est arrivé, voilà. Alors ne me demandez pas comment j'ai attrapé, je n'en sais rien, j'ai aucune idée parce que j'ai fait vraiment attention, croyez-moi d'habitude, mais là, vous voyez, suffit d'un moment d'inattention peut-être pour l'attraper, ça a été le cas, mais enfin voilà, c'est pas grave, c'est derrière moi maintenant, ça va beaucoup mieux, je reprends le travail demain, le 2 novembre, donc voilà, je voulais juste vous dire ça, vous dire qu'avant de tomber malade, la veille, pour être tout aussi précis que possible, j'ai eu la joie de recevoir un colis. Je vais vous le montrer. J'ai gardé le carton depuis une semaine exprès, pardon, hop, le voilà. Voilà, ce carton-là. Donc, dans ce carton, il se trouve quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps. Mais avant de vous le montrer, je voudrais vous poser une question. Et vous pouvez répondre sur pardon, le chat, là, de ce côté-ci, à côté de ma fenêtre, durant ce live, bien sûr. Savez-vous qui est Paul Hogan? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Paul Hogan est un acteur, réalisateur, producteur. Australien qui a tenu un rôle qui m'a plu depuis ma plus jeune enfance, quoi, ma plus tendre enfance, c'est celui de Crocodile Dundee. Vous le connaissez sous le nom de Mike Dundee. C'est une personne qui est née le 8 octobre 1939. Je vous laisse calculer pour savoir son âge, c'est pas à moi de vous le dire. Et vous le savez que durant ce film Crocodile Dundee, il avait un chapeau. Je vais vous montrer l'image rapidement pour pas avoir de problème de droit d'image. C'est là. Hop. Voilà. Voilà le chapeau qu'il avait. On ne s'occupe pas de la demoiselle hein, à côté. Voilà le chapeau qu'il avait. Et donc, j'avais acheté ce chapeau australien, moi, pensant que c'était le même que Mick Dundee, et non, il se trouve que c'est pas du tout le bon. Alors, je vais vous le montrer le bon. Hop, une réplique, bien sûr, hein, c'est totalement du faux. C'est australien, quand même, hein, il faut le savoir. Je le sors de la boîte. Voilà le chapeau de Crocodile Dundee. Alors, je vais le mettre de suite. Voilà. Voilà. Alors, ce chapeau-là, c'est le chapeau de sortie de, je dirais, de parade. Parce que pour les randonnées, j'utiliserai encore le vieux chapeau. Parce que lui, je peux vous dire un truc, c'est que lui, il est increvable. Il a pris de nombreuses branches, beaucoup de transpiration, beaucoup de pluie aussi. Et il est toujours là. Donc voilà, j'ai acheté la réplique en plastique. Les dents, n'ayez pas peur, c'est des fausses dents en plastique. Donc une réplique, un chapeau de Mick Dundee, alias Crocodile Dundee. Je vous invite à regarder les vidéos si vous avez le temps de les voir, la 1 et la 2. Vous les avez disponibles sur YouTube, me semble-t-il. Du moins, moi, je les ai vus pas plus tard qu'hier. Voilà, les deux épisodes d'affilée, ça m'a pas mal occupé. Voilà, donc le côté chapeau, ça y est, c'est fait, je l'ai. Vous pouvez être sûr que j'en prendrai soin, grand soin. Nouveauté pour la chaîne YouTube de Fred Mazer. J'ai reçu un email de YouTube qui me disait que j'avais droit à un identifiant pour ma chaîne YouTube.
Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion pour accepter la proposition. Et cet identifiant, je vais vous le marquer dans le chat, comme ça vous le verrez pendant que je discute. Alors attendez, hop, je vais faire ça ira mieux, comme ça, hop, voilà, je fais du direct, comme d'habitude, c'est toujours un peu le bordel, vraiment, les lives. Hein. Donc, je disais, je vous marque. Voilà l'identifiant. Vous marquez ça sur Google. Je sais pas si ça apparaît là. Voilà, ça y est. Vous mettez ça sur Google et vous tombez sur ma chaîne YouTube. Normalement, je vais faire un essai. Hop. En direct, voir si ça marche. J'essaye. Excusez-moi. @mazer. Et voilà. Et on tombe directement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est bien ça. C'est parfait les amis, ça marche. Donc désormais, si vous cherchez à voir la vidéo, je m'excuse, j'ai encore un peu de reste du Covid. Si vous cherchez donc à joindre ma chaîne YouTube, ben, n'hésitez pas, vous allez sur Fred de Mazer, @FredDeMazer, et vous y tomberez de suite dessus. Durant le Covid, eh bien, j'ai travaillé un petit peu, je dirais travailler sur les montages vidéo, même si cela ne sont pas finis. Hein, vous voyez, il m'en reste encore un peu de boulot à faire. Mais je vais vous donner quand même jusqu'à la fin de l'année ce qui vous attend sur la chaîne Fred de Mazer, puisque tout a été enregistré jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de souci. Toutes les vidéos seront sur la chaîne, quoi. Et on va commencer par le début, c'est-à-dire Ville de Mazères, le 5 novembre. Ville de Mazères sera donc visible comme film à partir de 18h. Le 15 novembre, nous aurons la fête de la pomme à Mirepoix, dernière vidéo que j'étais filmée, hélas, avant de tomber malade. Vous verrez, bah, écoutez ce qui se passe dans la fête de Mirepoix pour la fête de la pomme. Voilà. Mais ça, c'est une série hors série, vous le savez. C'est le 15 du mois, je mets toujours une vidéo hors série, en dehors des randonnées. Comme ça vous permet de patienter jusqu'à la vidéo suivante, qui sera le 19 novembre. Ce sera Rennes-le-Château. Très très belle vidéo sur Rennes-le-Château. Parce que c'est mythique et j'ai envie de dire, c'est vraiment fabuleux de voir cet endroit-là, ce village-là. Il faut vraiment y aller parce que ça vaut le déplacement, croyez-moi, les amis. Ne croyez pas que c'est que je fanfaronne. C'est vrai, ça le vaut vraiment la peine de se déplacer. Le 3 décembre, le samedi 3 décembre, il y aura Puits Vert, toujours à 18h, hein, il ne faut pas chercher à comprendre. À 18h, il y aura donc le château, le lac et Puits Vert. Hein. Très, très beau reportage aussi, moi j'aime bien. Là, j'étais accompagné de Cathy, tout comme Rennes le château d'ailleurs, et la fête de la pomme à Mirepoix. Le 15 décembre, voilà, je vois mieux quand je regarde là où il faut. Le 15 décembre, il y aura un épisode donc hors série, catégorie hors série. Ce sera il y a quoi dans le domaine des oiseaux? J'ai posé les caméras de capture d'image sur un passage animalier et vous allez voir que je ne me suis pas trompé. Pour une fois, ça a bien fonctionné cette fois-ci, j'en suis assez fier. Hein. Voilà. Le 17 décembre, il y aura la vidéo sur le lac de la Ganguise.
Alors regardez-le cette vidéo parce que je peux vous dire que personnellement, accompagné de Gisèle et de Philippe, personnellement, j'en ai chié pour cette randonnée-là. On devait faire 15 km, on en a fait 10 de plus, on a fait 25. Donc je vous laisse regarder la vidéo, après on en parlera ensemble si vous le souhaitez. Mais vraiment, ça a été une aventure exceptionnelle pour moi. Je parle à mon nom. Je ne me permettrai pas de parler au nom des autres. Et le 31 décembre, si vous ne savez pas quoi faire ce jour-là, on ne sait jamais, hein, il y en a qui ne font rien. Eh bien écoutez, moi je vous invite à regarder ma vidéo à 18h. C'est la vidéo Bêtisier 2022. Alors, je suis en cours de montage et je suis mort de rire pour certains passages parce que c'est vrai que il m'arrive quand même des trucs un petit peu bizarres des fois lors des tournages. Donc, ben voilà. Vous le savez, le 31-12, pour finir l'année en beauté, vous aurez droit à mon bêtisier annuel. Voilà. Sinon, les projets que j'ai, ils sont simples. Je dois aller filmer au domaine des oiseaux la grange aux outils parce que je voudrais vous montrer quand même. Quand on arrive au domaine des oiseaux, c'est pas que faire le tour de plusieurs étangs, c'est aussi faire le petit tour d'un petit musée qu'il y a à l'extérieur pour les grosses pièces et à l'intérieur pour les petites pièces, avec un nouvel endroit qu'ils ont aménagé dernièrement et qui me paraît assez agréable à voir. Donc je vais y aller, je vais en profiter pour moi découvrir ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Il est prévu aussi peut-être, j'hésite entre deux lacs pour le week-end du 11 novembre. J'hésite entre le lac des Camas qui fait 15 km, ce qui me fera une bonne mise en route parce que là je suis resté une semaine enfermé, je vous le dis pas. Donc le lac des Camas 15 km ou alors. Je pensais à l'étang de Pêtmal. Il paraît qu'il faut le filmer à tout prix en saison d'automne. Donc, bah écoutez, ma foi, je ne sais pas, je vais faire un choix, je ne sais pas encore. Je choisirai ce dont me semble le plus important à faire. Voilà. Le carnet des idées de sortie de Fred Mazer, il est là. J'ai noté tout un tas d'idées, vous voyez. Non, c'est ce côté. Hop, vous voyez, il y en a beaucoup qui ne sont pas surlignés. Ceux qui sont surlignés, c'est que ça a été fait. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Le carnet des randonnées faites, eh bien, le dernier que j'ai fait, c'était le bois de Bonnac. Non, les parcs de Bonnac, que vous verrez en janvier, si tout va bien, le 14 janvier. Belle petite randonnée avec une voisine qui se prénomme Marie-France et qui m'a fait découvrir l'endroit puisque elle connaissait par le plus grand des hasards, et ce qui m'a arrangé puisque j'ai pu aller non pas sur un parc mais deux, mais en fait ça vous le verrez aussi dans la vidéo, je ne vais pas vous spoiler. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que je vois à vous dire. Je vais vous demander, bien sûr, de m'encourager lors des diffusions, de mes vidéos sur YouTube. Pour cela, il suffit juste, je vais le mettre, là, décidément, je fais que me tromper, là. Je vais le mettre là. Il suffit de cliquer sur abonner, de cliquer sur la cloche notification. Et ainsi que de m'encourager avec un pouce bleu, les amis. Voilà, je ne vous demande pas la lune, hein, c'est juste cliquer sur un bouton pour pouvoir tout simplement eh bien, continuer ma passion que de partager des vidéos avec vous, les amis. Je sais que ça plaît à de nombreuses personnes et je continuerai à le faire. Voilà. Mais des encouragements, franchement,
toujours pareil, je ne le fais pas pour l'argent, parce que tout ce que je fais, moi, c'est petit, petit, petit. Et je continuerai ainsi comme ça, parce que j'ai pas besoin de vivre avec YouTube, alors que je vis avec mon emploi, j'arrive à vivre, donc il n'y a pas de souci. Voilà, les amis, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle aura duré un certain temps. Je ne sais plus où est le chrono. Ouais, 20 minutes ou quoi, maximum. Je vous dis à très bientôt. Je vous salue avec le nouveau chapeau australien, qui vient d'Australie. Hein. Il est passé par l'Allemagne, mais il vient d'Australie. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, surtout les amis et des autres. À bientôt. Bye bye.